et des 12e et des 13e buts pour Ndondji Mutunda, l'actuel meilleur buteur de l'antan du football des Kolwezi, a pesé lourdement sur la défense des Toiles Blanches qui n'a pas réussi à s'en défaire. D'abord sur cette lourde frappe plein axe à la 33e minute pour l'ouverture du score. Ensuite, à 5 minutes du temps réglementaire pour le but du break. À la 49e minute, Chipo Pamunai a permis au CS Benfica de mener déjà par 2-0 avant la réduction du score des Toiles Blanches à l'heure du match. Dans un championnat où chaque équipe doit jouer 42 matchs, le CS Benfica en compte 14, dont 5 victoires, 4 nuls et 5 défaites. Des résultats qui placent l'équipe chère à l'honorable Patrick Thierry André Kakwata dans la course au titre. Mais la route est longue, il en reste 31 matchs et Benfica doit se montrer compétitive pour s'adjuger le titre de champion 2024. Son arme fatale s'appelle Ndondji Mutunda, l'avant-centre marque en moyenne un but par match.